Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet Van Port et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Charles Debuyer, un coutelier d'excellence qui est établi en France. Il va nous expliquer comment on peut démarrer avec une passion pour ensuite la commercialiser à grande échelle. Nous verrons également comment gérer l'organisation de ces journées quand on est père de famille et que l'on est dans deux activités en même temps. Nous parlerons du marché de l'armement de manière générale et ses subtilités. Nous verrons aussi comment distribuer vos produits à l'international. Il nous introduira en plus des notions pour pouvoir créer son propre couteau. Et enfin, nous conclurons avec un plan d'action pour survivre dans un environnement hostile. Comme d'habitude, ce podcast est parsemé de beaucoup d'informations qui vous seront utiles dans votre vie d'entrepreneur. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous, bonjour Charles. Bonjour Anthony. Alors Charles, Charles, je suis quand même content qu'on arrive à se rencontrer en visio parce que les gens nous vous entendront, mais on se voit en visio. On a essayé de se caler plusieurs dates ensemble, ça a été assez complexe, mais bon, on y est arrivé. C'est ma poisse avec la technologie, tu le connais maintenant. Ah ouais, ouais, mais c'est que comme vous allez le découvrir, en fait, Charles a une vie très, très chargée. Et du coup, bon, ben voilà, on essaie de trouver des créneaux, mais on y est arrivé. Alors, Charles, est-ce que tu peux te présenter vite fait ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes activités et puis après, j'apporterai des petits éléments supplémentaires pour nos auditeurs. Très bien. Bah, écoutez, on va faire assez vite. Je vais quand même partir du bac. Après le bac, je fais un BTS gestion forestière. Ensuite, je fais une année un peu floue où j'ai arrêté ce que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai fait une licence professionnelle à Valence, en France. Et après, j'ai attaqué dans le monde du travail. Donc, premier travail alimentaire. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'armurier. Et ensuite, j'ai rejoint l'entreprise de mes parents, donc qui fabrique des couteaux. Donc, j'y travaille encore. Ça fait maintenant 7 ans que j'y suis, bientôt 8. Et pendant que je travaillais donc avec mes parents, j'ai créé ma micro-entreprise qui aura bientôt 3 ans là cet été. Et donc, du coup, bah, c'est de cette activité que l'on va parler notamment avec Anthony. Et donc, je fabrique des couteaux. Ok. Voilà. Et du coup, tu travailles dans deux entreprises à la fois, en plus de la tienne. Voilà, c'est ça. Et parmi ces activités, du coup, c'est, je veux dire, par rapport à l'activité que tu as aujourd'hui, l'entreprise où tu travailles fournit énormément de couteaux déjà ou c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir ? Si, nous, on fait que des couteaux. Ça fait 15 ans qu'on existe. Donc, la marque, c'est Wallsteer. Et on travaille beaucoup avec l'armée, les forces spéciales, les commandos et aussi avec les particuliers. Donc, ouais, on sort beaucoup de couteaux à l'année. Et en plus, à côté, j'ai ma propre marque où là, c'est moi qui fabrique mes designs. Et j'ai pas dit dans la présentation, bah, je suis marié et j'ai 3 enfants. Voilà. Ah oui. Donc, ça rajoute encore une charge de travail sur voilà, c'est ça. OK. Et du coup, bon, par rapport aux couteaux, les couteaux, qu'est-ce qui t'a fait commencer de vouloir modéliser en fait un couteau et de te dire bon bah voilà je vais en faire mon métier. C'est quoi le déclic qu'il y a eu quand tu t'es lancé dans cette activité? Ben en fait le déclic c'était Instagram. Instagram. Pour la petite histoire, ouais, je me suis mis sur Instagram avec des copains là qui m'avaient dit de m'y mettre. Donc au début c'était un compte tout à fait classique, mais déjà orienté couteau parce que j'ai une collection personnelle assez importante. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai proposé à un de mes copains de faire un design pour sa gamme. Mmh. Donc il a accepté. Donc je fais ce design et je devais le faire découper dans une barre avec une certaine dimension. Et pour combler en fait l'espace entre les couteaux, bah j'ai créé mon premier couteau qui s'appelle l'Islero et en fait c'est parti de là et après donc j'ai commencé à fabriquer ce modèle-ci et de fil en aiguille comme le modèle plaisait bien bah du coup j'ai créé d'autres choses et puis voilà maintenant c'est et au bout d'un moment je me suis lancé du coup en tant que pro en auto-entrepreneur donc c'est parti d'Instagram à la base. Je suis pas les impôts ni quoi que ce soit, mais en gros, est-ce que tu conseilles de te lancer, et quand tu commences à réaliser tes premières factures, de lancer ton entreprise à ce moment-là, ou de commencer de créer une entreprise, ensuite de regarder ce que tu vas faire, et ainsi de suite? En fait, au début, c'est un peu compliqué parce que pour se lancer, il faut être un peu sûr que ça marche. Donc, ouais. Du coup. Une petite période de flottaison a permis de tâter le terrain et tout. Et quand j'ai vu que ça prenait un petit peu, je me suis très vite mis dans la légalité et j'ai créé la micro-entreprise, quoi.
Ok. Et à côté, du coup, t'as des passions ou quelque chose comme ça? Ouais, j'en ai pas mal. Donc, je suis photographe, c'est moi qui fais toutes les photos sur mon site, les vidéos aussi. Donc, un peu moins poussé vidéo parce que ça demande beaucoup plus de matériel et de temps. Je suis tireur à l'arc et chasseur. Bon, chasseur au chômage, hein, ça fait 2-3 ans que j'ai pas pris le permis parce que j'ai plus trop le temps. J'adore la lecture aussi, notamment les mangas. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. One Piece te parle du coup? Exactement. Bah, mon dernier couteau s'appelle One Punch Knife, en référence à One Punch Man, ceux qui connaissent. Ouais. Ah, je sais que dans les abonnés, il y a des personnes qui suivent un peu tout ce qui est manga et tout ça. Tu serais surpris. Ah, bah, c'est super connu. Hein. Par rapport au couteau, quand tu veux créer un couteau, tu as une idée de base. C'est quoi le processus pour déterminer un couteau entre ton idée que tu t'en fais et ton idée finale? Il y a des tests, il y a des prototypes. C'est quoi dans l'intégralité le processus? Bah, en fait, moi, j'ai plusieurs processus de création. Soit j'ai déjà une idée en tête et je me mets une sorte de cahier des charges et à partir de là, je travaille sur un design. Soit des fois, c'est l'inspiration qui vient dans la nuit ou suite à une grosse émotion ou des choses comme ça. Par exemple, il y a un couteau que j'ai dessiné suite à l'hospitalisation de ma fille où j'avais besoin de mettre un truc sur papier. Et donc, extériorisé. Voilà, le couteau est sorti comme ça. Et après, des fois, ça peut être des idées clients que je garde en tête. Et au bout d'un moment, ça mature. Et voilà, après, je couche ça sur papier. Et ensuite, je travaille dessus en informatique. Après, tu une fois que j'ai le dessin en informatique, AutoCAD. AutoCAD. Les AutoCAD, comme je travaille que sur du 2D, ça suffit. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai le dessin informatique, je le tire en papier. Et souvent, je fais des prototypes soit en bois, soit en carton et tout pour vérifier les volumes, les ergonomies, que tout soit bon. Mmh. Et une fois que ça c'est validé, je passe en découpe laser. Je fais les premiers prototypes. Et si c'est bon du premier coup, bah, après, je le lance en modèle custom de la gamme. Sinon, après, je fais des petits ajustements. Ça peut être souvent, quand je fais des ajustements au niveau de la découpe, on est vraiment sur des choses minimes où je rajoute 5 mm de manche, j'augmente un diamètre de trou. Je vais élargir un poil la lame, ça va vraiment être du peaufinage à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, enfin c'est pas tu décides de faire un couteau et tu le fais. C'est il faut vraiment avoir quand même des compétences dedans. Quelqu'un qui est chez soi qui voudrait, je sais pas, se lancer dans la création de couteaux ou quelque chose comme ça, il pourrait pas le faire de lui-même. Bah, en fait, tu peux dans le sens où bah, tout le monde a des couteaux sous la main. C'est assez facile de trouver des designs sur le net. Mais si tu veux vraiment créer ta propre identité, ta propre gamme et tout, là, c'est un niveau au-dessus et c'est assez difficile parce que la concurrence est quand même extrêmement rude et elle est mondiale. Et il y a un niveau assez énorme dans le milieu du couteau. Donc, c'est dur de faire sa place. Okay. Sachant qu'il y en a plein qui ne se gênent pas pour copier, hein, bien entendu. Donc là, après, si on veut copier... Ouais, en fait, c'est pas gênant de copier si on veut s'en faire un tout seul dans son garage, mais après, quand c'est pour vendre derrière, là, ça pose problème. Ouais, j'ai cru voir. Enfin, du coup, comment tu gères quand il y a des personnes qui te copient? Parce que tu utilises des logiciels, tu le vois sur Instagram, tu vois des. Ça m'intéresse. Ouais. Bah, pour le moment, ça m'est pas trop arrivé. Ou alors, souvent, c'est les Pakistanais. Alors, les couteliers pakistanais, ils sont forts pour copier. Ils font du damas. Alors, nous, on appelle ça du damas en canette de coca. D'accord. Parce que c'est des trucs un peu couraves. Mais ils sont pas mauvais en plus en fabrication. Ouais, les aciers sont un peu douteux, mais il y en a qui se débrouillent pas trop mal. Mais souvent, voilà, c'est les Pakistanais. Après, ça peut être des entreprises chinoises aussi. Et voilà quoi. Ou alors après, c'est comme je disais, c'est un gars qui s'en fait un ou deux dans son garage. Dans ce cas-là, c'est pas dramatique. Des fois, on envoie juste un message et puis après, le problème est réglé quoi. Mmh. Au niveau du matériel que tu utilises, tu sais, pour faire des couteaux, tu sais à peu près chiffrer combien ça correspond à l'intégralité de ce qui te manque en matériel, enfin, de ce qu'il te faut, pardon, en matériel pour pouvoir concrétiser un couteau. Par exemple, là, juste le backstand qui est la pièce maîtresse du coutelier. Donc, c'est une machine avec des bandes abrasives, en fait, qui va permettre de faire le couteau, donc détourage, façonnage de la lame, ce qu'on appelle les moutures, façonnage du manche, tout ça. Donc, moi, celui que j'ai pris, on est déjà une machine à plus de 3000 euros. Ah oui, donc il faut bien l'amortir. Il faut être sûr d'en faire plusieurs. Voilà, après, il y a un variateur, c'est basculant, j'ai trois bras différents. Je peux mettre des roues de différents diamètres. Et puis, j'ai pris vraiment un truc haut de gamme. Parce qu'en fait, comme j'ai assez peu de temps à consacrer à la fabrication, vu que ce n'est pas mon entreprise principale, il faut que tout aille très vite. Donc, je prends du matos haut de gamme pour être ultra efficace et travailler de manière optimale. Justement, j'allais te poser une question par rapport à ça. Donc, quand tu réalises des couteaux dans ton atelier, sur ton temps à toi,
Tu accordes combien de temps par semaine à peu près à ta propre activité quand tu as fini ta journée de travail à toi ? Si je lisse sur l'année, avec en prenant en compte la compta, les réseaux sociaux, la fabrication, les photos, tout ça, grosso modo, je suis entre une heure et demie par jour, je pense. En plus ? Non, total, en incluant la fabrication. Ok. Ouais. Ah, c'est... Après, c'est variable. Hein. Ça dépend. Des fois, j'arrive à passer beaucoup plus de temps dessus. Ça va dépendre de mon planning et de la vie familiale. Ok. Ouais, parce que de ce que j'ai vu, le rare nombre de fois où tu montes des vidéos ou ce genre de choses sur ton atelier, de ce que tu fais, de tes réalisations en temps réel et tout ça, c'est que tu es quand même vachement efficace et efficient parce que le soir, tu arrives chez toi. J'ai remarqué qu'il y a quand même il y a des heures assez précises à laquelle tu es dans ton atelier. Et pendant une heure et demie, tu tabasses non-stop dans ton garage, dans ton atelier. Et c'est assez fou d'être aussi efficace et productif. Bah ça, c'est l'avantage de mon premier travail avec 7 ans d'expérience. L'avantage, c'est que comme on était une boîte familiale, mais ce qu'on fait du semi-industriel, du coup, je suis ultra organisé, je sais travailler très vite et j'ai quasiment pas de pertes, en fait. Quand j'en fais un, il est réussi, quoi. J'ai dû mettre, franchement, depuis que j'ai commencé, j'ai dû mettre 2 couteaux à la poubelle parce que c'était des dagues assez particulières et que c'est assez technique à faire. Et sinon, je suis sur du 100% de réussite quasiment, quoi. Donc ouais. Ça, c'est pas mal. Et puis, comme je disais, avoir les bonnes machines, les bons process et la bonne organisation, tu gagnes un temps de fou. Hein. J'ai trouvé un autre spartiate de l'organisation. Il n'y a pas le choix. Hein. Puis souvent, il y a des études qui disent quand tu es déconcentré par un truc, il te faut tant de temps pour t'y remettre. Moi, j'ai réussi à ce que ça soit instantané. C'est-à-dire que je peux faire un truc pendant 5 minutes, il y a un de mes enfants qui vient, 10 minutes après, je reviens dans mon truc, je suis à fond tout de suite. Quasiment chaque minute est optimisée. Et quand j'ai un peu de temps perdu, entre guillemets, c'est pour la boîte, quoi. Et tu fais enfin, t'as des processus mentaux qui sont déjà implantés ou t'as vraiment un truc pour te remettre dedans? Par exemple, est-ce que tu fais ça, tu te dis je pense à rien et je le fais ou Non, c'est plus ou moins automatique. Après, souvent, le soir avant de me coucher, je me fais un peu mon planning du lendemain, donc du coup tout est déjà en place et c'est assez facile de pas oublier des choses ou d'être un peu plus efficace. Comme c'est pas mon activité principale, j'ai pas encore de ce qu'on appelle de déborde ou de choses comme ça, où le jour où je passe en temps plein, j'aurai un tableau bien clean avec toutes les étapes de la journée, les choses à pas oublier pour bien s'organiser, quoi. Ok, donc ouais, t'es pas forcément très orienté avec les outils du style to-do list. Toi, t'es vraiment encore sur le tableau blanc. Non, pas trop, le papier. Ouais. Et encore même pas papier, ça reste vraiment dans ma tête, parce que comme je te dis, mes journées sont pas très grosses. J'en ai pas forcément besoin parce que c'est pas ultra ultra chargé et donc du coup j'arrive à m'en sortir comme ça pour le moment, quoi. Et au niveau des clients, parce que j'imagine qu'en ce moment avec le coronavirus, le climat d'insécurité, toutes les autres choses qui viennent se greffer par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si tu peux nous en dire plus, mais la majeure partie des personnes qui achètent ce genre de couteaux, c'est des personnes qui sont juste des collectionneurs, des personnes qui vont l'utiliser en chasse pour daguer des animaux ou ce genre de choses, ou rien à voir? Non, moi j'ai tous les profils. Donc oui, il y a du collectionneur, il y a des chasseurs, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est la sphère bushcraft outdoor, donc c'est toutes les activités en forêt. Je vais avoir aussi tout ce qui est arts martiaux, parce que j'ai une ligne tactique avec des couteaux de combat, donc ça, il y a pas mal de gens là-dessus. Et le coronavirus, ça n'a pas trop impacté les ventes, ça avait même plutôt bien marché pendant le premier confinement. Là, c'est peut-être un petit peu plus dur, parce que je pense que les gens sont quand même pas super confiants dans la situation économique. il n'y a pas forcément de grosses dépenses. Et comme on n'est pas sur un produit primaire essentiel, ça fait partie des premières choses que les gens enlèvent dans leurs dépenses, quoi. Il faut combien de temps à peu près quand quelqu'un te rencontre? Tu sais, on dit souvent une personne doit te voir entre 7 à 14 fois avant d'acheter un bien ou un service chez toi. Tu dirais que chez toi, quand quelqu'un te découvre, je sais pas, si par exemple tu vois un nouvel abonné sur Instagram, combien de temps ça va prendre après avoir partagé du contenu et tout ça avant qu'il arrive à acheter un produit? Alors là, je saurais pas te dire. Il y en a, c'est du premier coup, sans les connaître. Sans les connaître. Sur le site et sa commande. Ou alors, souvent, c'est que du coup, ils ont eu le temps de me connaître par Instagram et tout, mais sans que moi, je le sache, en fait. Après, ce qui est bien, c'est que la plupart des clients sont récurrents et comme je fais du bon travail, je pense,
Les gens recommandent facilement. J'ai un très bon contact avec les gens. Mmh. Et du coup, je suis assez connu dans le milieu depuis longtemps grâce à mon premier travail et aussi à Opus. Donc, j'ai une bonne image de sérieux. Quoi. J'ai vu que tu avais beaucoup de chaînes YouTube à l'international qui reparlaient de ce que tu faisais. Et dans une niche, j'imagine que ça a du poids quand les mecs font des vidéos sur toi et tout ça, non ? Ouais, bah pareil, c'est toujours dur de mesurer les retombées. Mais oui, je sais qu'il y a... Sur Instagram, je suis reposté souvent par des grosses pages et quelques revendeurs américains. Après, le problème, c'est que comme je n'ai pas une grosse capacité de fabrication, c'est un peu dur de les servir régulièrement. Mais là, tu vois, j'ai une commande américaine, ils me prennent 20 couteaux. Et voilà, c'est un gros truc très qualitatif dans ce qu'on appelle l'EDC, c'est tout ce qui est Everyday Carry. Okay. Donc, ça va être des lampes torches, plein d'accessoires, des trucs en titane, des petits couteaux, des pliants, tout ça. Et donc, du coup, eux, ça fait partie de... Ils sont clients internationaux, quoi. OK. Et à côté, tu touches une niche comme le survivalisme ou ce genre de choses ? Oui, bon, en gros, survivalisme et puis bushcraft, ça va être un peu dans le même domaine. Après, ça ne va pas être la même approche. Le bushcraft, ça va plus être du loisir. Le survivaliste, lui, il va vraiment travailler son autonomie dans plein de domaines différents. Et le couteau va être un des outils qu'il va utiliser. Donc, je le touche par ce biais-là. OK. Ça m'amène à me poser une question. Tu vois, je me dis, avec la France, je ne sais pas si tu connais, par exemple, les villes où il y a le plus de distribution de couteaux par rapport à tes clients. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui est confidentiel, mais enfin, même pas un chiffre, mais non, est-ce là, que j'en tu sais les villes... C'est vraiment très disparate. Okay. Bah après, Paris, comme c'est la plus grosse ville, c'est là où... Paris, les environs, c'est là où il y a le plus de monde. Ouais. Mais après, non, c'est vraiment partout dans la France. Après, c'est en fonction de la taille de la ville. Il y a un Paris, Lyon, il y a souvent des gens autour de ces villes. Mais après, non, il n'y a pas de règles. OK. Et à l'international, ça a une bonne amplitude sur ton chiffre d'affaires ou pas du tout ? Alors, les États-Unis, ça marchait bien il y a 2-3 ans. Après, Instagram, ça a un peu cassé la figure. Et, la mise à jour de l'algorithme. Voilà, c'est ça. C'était beaucoup plus difficile, mais ça marche quand même. Après, il y a la Belgique. Les Belges aiment beaucoup les couteaux. Les Suisses aussi, ça marche pas mal. Et l'Allemagne aussi, ça marche bien. Les Suisses ne partent pas sur leurs couteaux suisses ? Wow. Si, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Au niveau justement donc de tes clients, donc tu envoies dans le monde entier et tu es aussi là le seul à gérer, c'est ça ? Ah oui, au niveau expert, c'est moi qui gère tout. Et tu l'automatises ? Enfin, je veux dire, tu as des processus pour le faire à ta place ou ça se passe comment en soi ? Du coup, j'ai mon site qui est sur la plateforme Shopify. Ok. J'ai la commande qui transite par mon site. Ensuite, j'ai l'application Colissimo qui est sur le site. Et donc, du coup, après, j'ai l'étiquette qui est automatique. J'ai juste à rentrer le poids, imprimer et je fais le colis et feu, quoi. Ok. Et au niveau des clients, la plupart, donc, ils te connaissent par Instagram, mais tu as aussi une chaîne YouTube, tu disais. Voilà, j'ai Instagram, YouTube, Facebook. Facebook, j'y suis pour la forme hein, parce qu'il y a pas mal de clients dessus. Mais sinon, c'est vraiment pas le réseau social que j'utilise principalement. Et aussi sur Telegram, on a un petit groupe fermé là où on est à peu près 70, où là, okay. Je partage des choses que je ne partage pas sur d'autres réseaux sociaux. Ok. Et enfin, vraiment plus dans l'intimité de la fabrication. Un petit comité, quoi. Les plans de fabrication. Voilà, ok. Et je me pose une question, moi, c'est par rapport à Facebook, justement. Facebook, Instagram et tout ça. Donc là, pour l'instant, tu postes sur ces canaux et tu n'as jamais été embêté... Bah, tu vois, pour faire, je sais pas, de la publicité ou pour poster des images, des comptes fermés ou ce genre de choses ? Alors, pour poster des images, non. Pour faire des publicités, c'est pas possible. Tout ce qui est poussé, c'est refusé. Là, pour la petite histoire, je me suis fait fermer mon compte PayPal. Ah. Impossible de faire un recours. Hein, le mec, j'ai au téléphone et tout, c'est leurs conditions. Voilà, donc, compte fermé, les sous bloqués pendant 180 jours. Voilà, mais ça virait après quand même, possible. C'est ça ? Ouais, au bout d'un moment, ouais. Alors, j'ai eu de la chance, c'est que le jour d'avant, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais quasiment intuition. Tout enlevé. Ouais, grave. Là, j'ai vraiment eu chaud. Et on est plusieurs hein, à s'être fait fermer les comptes PayPal, États-Unis y compris. Donc là, avec... De toute façon, tout ce qui est armes est de plus en plus enlevé au niveau des libertés. Hein. Les gouvernements n'aiment pas que le peuple soit armé. Et donc, du coup, ouais. PayPal... qui est le fer de lance de cette idéologie, entre guillemets, bah, tout ce qui est couteau, ça dégage. Quoi. Ouais, forcément. Et du coup, tu as essayé de faire de la pub. Alors, c'est une question, hein, mais est-ce que tu as pu essayer de faire de la publicité en mode
tu sais, tu prends un rouleau de papier toilette vide là, avec le carton, et tu fais des démonstrations. Je sais qu'il y a une marque américaine qui avait fait ça, ils ne pouvaient pas montrer des couteaux, et du coup, ils avaient pris des dildos. des dildos et ils faisaient semblant de mettre des coups de couteau et disaient si vous ne voulez pas que votre autodéfense ressemble à ça, pensez à ça, et sans forcément montrer le couteau, tu vois. Ouais, non, j'ai pas fait de truc détourné comme ça. Non, ça. Et puis le pire réseau social pour les couteaux, c'était TikTok, hein. Tu mettais une lame, c'était dégagé direct. Donc, ah ouais, alors c'est. Tu fais supprimer direct, j'ai quitté. C'est fou parce que c'est hyper sexualisé en plus le contenu sur TikTok, hein. Ah oui, non, mais le sexe ne pose pas de problème. Par contre, les armes, si. Non, le sexe est poussé à mort, hein, sur les réseaux sociaux. Il n'y a quasiment rien qui est censuré là-dessus. Parce que ça fait vendre. Non, c'est clair. Ok. J'avais deux questions pour toi. Au niveau, tu sais, des applications que tu utilises, parce que je sais que tu n'as pas trop de temps, mais au niveau d'applications que tu utilises et que tu recommanderais, il y a quoi pour t'organiser sur ta journée, pour faire, je sais pas, du travail ou ce genre de choses? Il y a Evernote que j'utilise. Quand j'ai une idée et tout, ça me permet de la noter et de la stocker de manière simple. Et puis après, bah, c'est les canaux Insta, Telegram, Messenger. Mais sinon, je n'ai pas forcément d'application spécifique pour le travail. Ok. Ouais, WhatsApp, quoi. Oui, voilà, ouais, WhatsApp. En fait, tout ce qui permet de communiquer avec mes clients, parce que du coup, ils ont un peu tous des canaux différents. Donc pour les clients, c'est Messenger, Instagram, essentiellement mail, et puis ouais, ça va être vraiment les trois principaux canaux par lesquels on peut venir parler avec moi, quoi, en tant que client. Ok, donc ça veut dire que tu n'as même pas de service client en plus qui gère tes échanges? Non, moi qui gère tout. Ok, donc ça fait une bonne charge de travail. Ouais, mais ça va encore, ça reste de temps en temps, t'en as un qui te tient la jambe pour final rien, mais c'est assez rare en général. Les clients ça va assez bien ce qu'ils veulent, et puis ça va assez vite. Du coup, ben, à quoi ressemble une journée à côté de toi? Ben, je me lève à 6h du matin. Je me lève à 6h du matin. Après, je prépare le petit-déj pour les filles et tout. Je les amène à l'école. Ensuite, 8h, je suis au travail. À midi, je prends ma pause. Après, pendant la pause, une demi-heure, je bosse un peu sur mes couteaux et tout. Après, je rattaque à 1h. À 16h, je pars. Je récupère les filles. Et puis après, là, c'est tout les devoirs, les bains... s'occuper du jardin, des poules, tout ça. Et puis, une fois qu'on a fait le repas, qu'elles sont couchées, je bosse un peu sur mon site, la compta, les choses comme ça. Et à 23h30, je suis au lit, quoi. Et la nuit, après, tu as les réveils du petit dernier de temps en temps. Donc, des fois, tu es bien fracassé le matin, quoi. Oh. Une vie de parent normale. Et le week-end, du coup, pas de repos, c'est ça? Si, les week-ends, quand même. En fait, le but du truc, c'est quand même de consacrer pas mal de temps à ma famille aussi. Donc, le week-end, si, on fait des sorties, on bouge. Et puis, pareil, quand j'ai du temps, je travaille sur ma boîte dès que je peux, en fait. Ok. Est-ce que tu as des personnes que tu suis dans ce secteur et quelle est ta vision dans le secteur de la coutellerie? Est-ce que c'est un marché qui va plutôt baisser? Est-ce que c'est un marché qui va plutôt évoluer? Est-ce que j'ai vu que, par exemple, tu faisais de l'archerie? Je me dis, je ne sais pas, peut-être que tu vas essayer de mêler les deux, ou je ne sais pas si tu as des infos par rapport à ça ou ce genre de choses, tu vois. Bah, mêler les deux, je le ferai quand j'aurai le temps, malheureusement, parce que l'archerie, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que je n'ai plus le temps du tout de tirer à l'arc pour le moment. Oui, je suis toutes les grosses marques américaines, et puis plein de confrères couteliers. Ça permet de donner des idées, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait et de ne pas copier aussi, justement. Ça c'est important, et puis en observant et tout, on peut voir un peu les matériaux qui est en tendance, on peut voir des techniques de fabrication, parce qu'on n'a pas tous toutes les mêmes méthodes. Ça permet de voir des ateliers avec des machines qu'on n'aurait pas, ou pouvoir s'équiper de meilleure manière, des choses comme ça, un peu de la veille concurrentielle, en fait. Mais après, le secteur se porte plutôt bien, hein. Ouais, bah oui, tout ce qui est armes, de manière générale, j'ai l'impression que ça ne connaît pas forcément la crise. Bah, les armes aux États-Unis, tu n'as plus rien en magasin déjà, il n'y a plus de munitions, c'est en pénurie. Donc voilà. Ok. Et tu n'as jamais essayé de faire des choses avec, par exemple, je ne sais pas, de la pierre un peu plus exotique, comme de la météorite ou ce genre de choses, de la moldavite? Non, c'est des choses c'est des choses que je n'ai pas le temps d'expérimenter. Ouais. En fait, je suis obligé de me concentrer sur ce que je maîtrise à fond, et j'ai pas encore trop le temps pour faire ce qu'on peut appeler de la recherche et développement. Ok. Mais oui, c'est des matériaux qui sont utilisés en coutellerie. Après, le prix est tellement élevé que t'as pas intérêt à te rater, quoi.
Ouais, bah une pierre. Enfin, moi, Là, je tu mets sais. un bout de météorite à la poubelle ou de la défense de l'ivoire de mammouth stabilisé ou quoi. Là, c'est tout de suite 300 euros qui partent à la poubelle. Rien qu'en coût matière. Ouais, bah en coût matière, moi, je sais, j'ai une bague météorite. Je te cache pas que ça vaut quand même assez cher. Hein. Donc. Ouais, non, c'est sûr. Pour la petite anecdote, il y a un salon du couteau à Thiers qui s'appelle Coutelia. Il y a une entreprise qui avait fait un gros laguiole, donc assez grand, tout en manche d'ama, en lame d'amas et tout, manche en météorite, ils l'ont vendu 60 000 euros. Ah ouais, Ah d'accord. Oh la vache, c'est un oui. chiffre d'affaires en une vente, quoi. Ah C'est ouais, quand ça, même. ouais. C'est pareil, dès que tu peux monter dans du luxe, après, t'as pas de limite. Mais ça, c'est pas quelque chose qui t'attire. Tu veux vraiment garder ta communauté à ce stade et pas avoir une deuxième marque à côté quand tu as plus Non, de non, non. temps. Ouais. Non, non. Puis moi, je suis vraiment sur du couteau qui est fait pour être fonctionnel. Donc, du coup, les trucs avec de la bijouterie, de l'orfèvrerie, c'est pas trop mon kiff. Je trouve ça très beau, hein, mais c'est pas ce que je souhaite faire. Ouais. Alors moi, je constate du coup, tu vois, que ben il y a peut-être très peu de place à l'imprévu dans ta journée, que là on a réussi à se caler parce que ben, c'est sur ta pause de repas. Ouais, bah, du coup, les Américains, ils attendront un peu plus longtemps pour leur commande. Mais tu vois, moi je me posais une question, c'est qu'est-ce que en fait le web, même avec ça, qu'est-ce que le web a pu t'apporter que tu n'avais pas ailleurs, que tu ne pouvais pas avoir ailleurs ou avant? Ben, du coup, ça m'apporte la visibilité, ça m'apporte les clients. Et puis, avec le site internet, ça me fait gagner un temps de dingue. Parce que du coup, j'ai pas forcément. Avant, je faisais tout par les réseaux, en fait. Donc, chaque personne qui voulait acheter un couteau venait me parler en direct. Je répondais, je faisais la vente. Tout était très long, en fait. Alors que là, avec le site, les ventes tombent toutes seules et j'ai plus cette partie-là à gérer. Après, quand les clients veulent vraiment un custom particulier avec des matériaux différents et tout, ben là, je suis à l'écoute et puis. Je le fais avec eux, je les aide, je leur envoie des photos pour qu'on choisisse et tout. Mais sinon, ouais, le site web fait gagner un temps monstre. Hein. Ouais, donc aujourd'hui, tu dirais que, du moins pour ton business, le site internet, c'est quasiment. Ah, c'est indispensable. Ouais. Et en plus, du coup, avec le référencement Google qui est de mieux en mieux, je vais avoir plein de personnes qui ne me connaissent pas sur les réseaux sociaux et qui viennent par le référencement Google. Oui, le gros avantage aussi, c'est que, comme tu le disais, ça te permet de vendre en dormant. Donc ça veut dire que la nuit, tu Ça. peux, le matin, tu peux te réveiller, tu profites simplement du chiffre d'affaires que tu as généré pendant que tu dormais. Voilà, c'est ça. Surtout là où c'est pratique, c'est que du coup, comme c'est à l'international et qu'il y a des gros décalages horaires, et ben souvent les Américains ont un gros laps de temps avant de pouvoir répondre et que eux répondent. Donc ça, avec le site internet, il n'y a pas de problème. Surtout que j'ai des traductions en trois langues, j'ai mis français, anglais, espagnol. Donc pour ça, c'est pratique, ouais. Et pour les emails, tu fais aussi quelque chose de séparé ou ils se contentent du français pour le moment? Bah, quand ils m'écrivent en anglais, je réponds en anglais. Après, pour ma stratégie emailing, là, j'avoue qu'on n'a pas séparé français-anglais et que tout est en anglais et tout est en français. Ok. Après, maintenant, toutes les boîtes mail proposent un petit bouton traduire le mail, donc Traduire ça le pose, mail. à mon avis, pas trop de problèmes. Ok. Ok, ben bah cool. Enfin, petite chose. Au niveau de l'inspiration, toi, tu disais que tu le trouves souvent la nuit. Il y a d'autres moments ou d'autres choses qui te permettent de le trouver quand tu te connectes avec toi-même, on va dire. Voici des fois au travail, parce que je travaille avec la musique souvent, et donc du coup, Quel des fois type quand de t'es au musique? boulot, Du rock? ouais, vraiment, alors là j'écoute un peu de tout, moi. Ok. Ouais, j'aime bien le rock, j'aime bien les musiques tranquilles aussi, inspirantes, Ouais. posées. En fait, ça va dépendre de mon humeur du moment, mais ouais, j'aime bien aussi techno, électro, rock, hard rock, enfin, tu vois, c'est très varié. Ouais, t'en es pas encore à écouter du IAM hein, dans les années 2000, quoi. Non, non, non. Non, j'aime bien que ça reste un peu en plus de fond, donc tout ce qui est chansons françaises et tout, j'avoue, j'écoute pas trop. Bon, bah, Charles, on arrive à la question secrète. Ouais, la fameuse. La fameuse. Alors, le principe de la question secrète pour les personnes qui nous entendent, je vais te poser une question. Tu n'as pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de simplement voir comment toi tu penses, comment toi tu le ferais. Et voilà, ça peut être complètement déconnecté ou non de ton métier. Et en fait, je pense que je vais rester dans l'idée de quelque chose que j'ai vu et que j'ai mis sur le podcast précédent. Et on va voir comment tu te débrouilles avec ça. Tu me dis quand tu es prêt, tu as le temps que tu veux pour réfléchir. Et puis de toute façon, au montage, on fera comme si c'était instantané. Allez, ben c'est parti. OK. Donc on imagine. La dernière fois, on a parlé d'une île déserte, ok? Et on va rester sur ce thème-là. Cette fois-ci, c'est pas une île déserte, mais tu es perdu dans un énorme continent. On imagine, je sais pas, que tu t'es perdu dans le Brésil ou en Amazonie ou ce genre de choses, que tu es seul en forêt. Et ça serait quoi ton plan d'action pour arriver à survivre pendant plus de 4 mois
en plein milieu de la forêt, avec les étapes par étapes que tu pourrais fournir à d'autres personnes, tu vois, qui nous écoutent, pour survivre dans la forêt pendant une longue période, tu vois, sans jamais manquer de rien. Ok, ouais, c'est un vaste sujet, sachant que je ne suis pas spécialiste en survie. Je sais, justement. Je vais repousser un peu le confort. Pour moi, la grosse priorité, c'est l'eau. Parce que si tu n'as pas d'eau, tu meurs très vite. Donc, il faut trouver de l'eau. Donc, récupérer de l'eau sur... Comment ? Ça serait petit à récupérer de l'eau et puis la rendre potable. Ok. Comment tu pourrais t'y prendre ? C'est assez compliqué si tu as zéro matos. Le mieux, c'est de pouvoir... la récupérer, la préfiltrer, par exemple, avec ton t-shirt en coton pour enlever tous les résidus, tout ça. Mm-hmm. Ensuite, le mieux, c'est de pouvoir faire un feu et la faire bouillir pour tuer tout ce qui est micro-organismes, bactéries, virus. Et à partir de là, tu peux la boire à peu près sans trop de problèmes. En la laissant refroidir. Oui, c'est mieux. Ou alors, après, tu te fais une infusion, quoi. Ok. Donc, bien entendu, j'ai un ou deux couteaux, vu que je suis coutelier. Tu fais de quoi faire un feu, parce que dans ces pays-là, il vaut mieux avoir un peu de feu pour écarter les bêtes sauvages, parce qu'il y en a quand même quelques-unes que tu n'as pas envie de rencontrer. Oui, c'est clair. Après, construire un abri, de quoi dormir, sachant que là-bas, il vaut mieux dormir hors sol aussi, parce que sinon, tu as tout ce qui est insectes qui te grimpent rapidement dessus et tout, donc il faut essayer de dormir un peu perché. Et puis après, trouver à manger. Donc, le plus simple, c'est essayer de chasser un petit peu, parce que... comme c'est une botanique que je connais absolument pas, ça va être difficile de manger des plantes sans se tromper. Hein. Mmh. Ou alors après, s'il y a des fruits identifiables et tout. Et puis, s'il faut rester 4 mois, 4 mois, c'est long. Hein. Faut essayer de reproduire ça un peu tous les jours, en fait, en augmentant son confort, sa zone d'exploration, sans se perdre. Donc, à peu près. Et ça, c'est peut-être une question que je me suis posée pendant que tu m'expliquais ça, mais t'as peut-être pas forcément la réponse, mais ça m'intéresse de savoir ton point de vue là-dessus. Imaginons, tu te perds, tu vois, t'as rien, t'as vraiment pas de couteau ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'il est possible de créer quelque chose de suffisamment pointu ou déguisé ou de qui ressemble à un couteau, tu vois, pour pouvoir, découper des choses ou avec des pierres peut-être ou quelque chose comme ça. La pierre, si tu as la chance de trouver du silex, tu peux réussir à faire un objet tranchant. Mm-hmm. Après, on a un gros avantage, c'est que l'humain est un animal assez dégueulasse et donc du coup, il y a facilement des débris de verre, de bouteilles et tout qui traînent un peu partout. Ouais. Donc, si tu arrives à trouver des choses comme ça, tu peux réussir à rendre quelque chose tranchant à partir de ce type de matériaux. Mais sinon, c'est compliqué. Ok. Dans la jungle aussi, gros point important, il faut faire très attention de surtout pas se blesser ou se couper parce que ça s'infecte très très vite et comme tu es tout seul et que tu n'as aucun médoc, là ça devient compliqué. Ok. Donc il faut être très prudent. Ouais. Donc petit 1, de l'eau, petit 2, le feu, petit 3, l'abri et petit 4, le confort qui s'étend au fur et à mesure. Quoi, avec la zone d'exploration. Si tu arrives, de toute façon, en gros, il faut répondre aux besoins primaires qui est boire, manger, dormir et puis si tu arrives à avoir ces trois-là à peu près à un niveau acceptable, tu peux tenir dans la durée, quoi, si après tu fais pas de bêtises. Parce que s'il en manque un, tu peux vite perdre la boule, être trop faible pour faire les autres choses, et là, ça devient dangereux. Ok, écoute, je te remercie. Pour conclure, tu peux me donner les endroits où on peut te suivre, te soutenir et poursuivre ta route? Et ben, du coup, il y a le site internet, c'est www.opus-knives.com. Instagram, même nom, Facebook, même nom. J'ai tout à peu près au même nom. Et de toute façon, sur le site, tout est accessible au niveau de mes réseaux sociaux et la chaîne YouTube aussi. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi, ouais. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir invité. Et puis, merci aux auditeurs pour leur patience. Merci. À plus. Salut. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.